Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un petit haul action que j'ai fait ce week-end. Je suis allée voir un peu ce qu'il y avait pour Noël. J'ai vu pas mal de choix. Je me prépare pour Noël pour faire des junk journals. J'ai pas trouvé les dies de Noël. Je pense qu'ils y étaient pas. J'étais au action de Lyon Gerlin qui est nouveau. Du coup. Pour commencer, il y avait ça, c'est des cartes. Je pense que ce sera particulièrement utile en termes de décoration dans les junk journals. J'aime beaucoup le style, un petit peu style aquarelle. Voilà, et j'ai pris deux types différents. Alors vous allez voir, j'ai un style un petit peu bleu, Noël froid, et le style un peu plus traditionnel, Noël rouge et vert. Donc j'ai choisi ces deux catégories. Ensuite, on a le Luxe Paper Block. Ce que j'aime bien ici, donc il y a à nouveau ces décorations qui vont être plutôt utiles, j'espère bien utiliser. Et ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est ces papiers que je peux utiliser dans mes junk journals. Voilà, en création. Faire des pages. Donc, il y a ce style un peu bleu. Là, on reste, ça fait un peu plus cooking avec du gingerbread et ce genre de choses. Ici, on a un Noël un peu plus froid et qui reste toujours un peu dans les tons rouge et vert. Avec ce genre de choses que j'aime beaucoup, un peu plus à aquarelle. D'ailleurs, je vais réfléchir à faire un digital kit à l'aquarelle. Donc, n'hésitez pas à suivre ma chaîne pour en savoir plus. Là, c'est un style un petit peu complètement différent. Mais j'avais bien aimé quand même. Donc, vous voyez, les dessins sont beaucoup plus modernes et pas du tout à l'aquarelle. Je me suis dit que j'allais tester. Ensuite, on a les Paper Craft Set. Donc là, on a du A4 double-sided, c'est-à-dire que c'est sur les deux côtés. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. On a des autocollants, on a un peu de papier, on a des tags que l'on voit derrière. Là, c'est carrément une petite boîte, encore des tags, les décorations comme on avait tout à l'heure. Et ici, on a du papier. On a du papier qui est sur les deux côtés. Je ne sais pas trop où l'ouvrir pour vous montrer. Mais je pense qu'ils seront là de toute manière. Voilà. Voici les différents types de papier qu'il y a. Donc très rouge, brun et gris pour celui-ci. Ensuite, ici, c'est plutôt dans les tons verts, un peu plus hiver cosy. Voilà, super beau. J'ai hâte de l'utiliser. Et des couleurs un peu plus vertes et brunes. Donc là, c'est pas très Noël, hein. Il y a vraiment beaucoup de lignes et de carrés. Mais c'est pas grave. Et là, c'est vraiment très bleu, Noël froid. D'ailleurs, ce sont que des animaux de la banquise, hein. Et des papiers vraiment au ton bleu et très aquarelle comme ce que j'aime en général, avec un peu de motifs aquarelles. Et comme vous voyez, donc il y a les die cuts, les paper tags, les stickers. Et ça, c'est le double-sided A5 et ça, c'est le A4. Voilà. Ah oui, et puis il y a quelques petits grelots en plus. Et là, on en a encore un. Alors là, c'est plutôt noir et doré. Donc, j'imagine un peu plus fête. Pour moi, ça représente ça. Et du coup, voilà un peu ce qu'on peut retrouver dans le set. Avec vraiment beaucoup de papier style aquarelle. Et ça, j'aime beaucoup faire ça à l'aquarelle. Donc, j'ai hâte de l'utiliser.
Ensuite, j'ai trouvé ça. Je me suis dit que ça pourrait être super utile. J'aime beaucoup les petites fioles comme ça, je les utilise souvent. Donc, peut-être remplies de neige ou avec une petite déco de Noël à l'intérieur. Je pense potentiellement enlever tout ce qui est guirlande lumineuse et utiliser les fioles toutes seules. Mais on va réfléchir. Et après, j'ai pris que celui-là, mais c'est du carton, c'est du papier cartonné, avec encore une fois des images de Noël. Il y avait plusieurs styles, mais c'était vraiment mon préféré, celui-là. Donc j'ai pris juste celui-ci qui est un peu plus bleu, comme vous pouvez le voir. Il y en avait des un peu plus rouges, il y avait un peu de toutes les couleurs, et ça va être vraiment très utile pour faire des poches, parce que c'est du papier un peu plus épais, un peu plus cartonné. Et enfin, rien à voir, mais j'ai retrouvé ça que je cherchais depuis un petit moment. Et c'est sur le thème de la mer. Donc vraiment rien à voir. Petit rappel des vacances, on va dire. Voilà, des tags, enfin vraiment tout. Avec plein d'images très très jolies sur le thème de la mer. J'aime beaucoup celle-là. Donc voilà, c'est la fin de ma petite vidéo. Voici ce que j'ai trouvé. Donc c'était aux Actions de Lyon. N'hésitez pas à liker, à suivre, à me dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous vous y êtes allé? Qu'est-ce que vous comptez faire avec vos achats? Ça m'intéresse de savoir. Et puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci. Bye. Bye tout le monde.